Merci. Merci. Suivi les grèves, j'allais avoir une présentation sur les photos de, surtout, je crois, de Lemoine puis de l'étang. C'est grâce au Tropignan, Lorraine Roach, qui est une fille du Mouen, puis Jérémy, qui travaille au Tropignan, qu'elle a vous présenté manière d'une petite présentation sur le vieux temps. Ça fait que j'espère que vous allez en profiter, puis bon après-midi. À mon tour, j'aimerais vous souhaiter toute la bienvenue. Puis, si comme Monique a dit, les portraits, c'est surtout deux grands étangs, le lac. J'ai pas omis le Mouen par exprès. Elle m'avait mentionné l'étang, puis j'ai compris la région. Ça fait qu'il y a l'autre de photos, c'est du Havre, ici. Puis vous allez trouver que j'ai mis l'autre de portraits du Havre, mais ils sont tous différents. Il y a des affaires qu'on reçut des certains qu'on reçut d'autres. Ça fait que vous voyez ce que je veux dire. Puis aussi, j'aimerais que je ne serais pas la seule à parler. Ça fait que si vous voulez faire des commentaires sur les portraits, gênez-vous pas. Si vous connaissez du monde, que, parce que moi, il y a du monde là-dedans que je ne connais pas. Hein. Ceux-là que je connaissais, je l'ai écrit, puis je peux vous dire ce que c'est. Mais vous autres, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. OK? J'en vais faire comme si. Je vois qu'il y a une slideshow à la maison. Ça fait que ça, c'est dans les années, je sais pas, je dirais 40. Je suis pas vraiment sûre. Oui, ou la maison à Marcel Apadé. Puis aussi, sur Marcel Apadé, il avait une grange sur le bord du Cap. Hein? Puis ça, c'est parti à l'automne. Puis. Il y a Chagas qui me disait que la terre a été mangée à l'autre, puis. Puis le vieux slip, puis. Oui. Ça, c'est un autre portrait de l'étang posé dessus. Posé de 17. Puis là, vous voyez la massa sur Édouard. Au fait, ça serait la maison. La maison, Nessa Édouard. C'était-il la maison Édouard, premièrement? Oui. C'est là ce que j'ai dit. C'est ça. Ça fait que ça sera à peu près Yuske la maison du Joseph Arnès, ça se tue? Non, je suis en plus. Pour moi, oui. Ben, c'est droit. Il y a ses droits au côté. Il y a une autre bâtisse au côté. Ça serait à peu près là. OK. Puis la maison a été faite. T'as-tu t'en souviens-tu? La maison était encore là quand Joseph s'est bâti? Oui. Oui. Ah, OK. Ah. OK. OK. Oui. Oui. Je dirais que ce beau recette à la côte, ça doit être des chèdes ou des cabanes de pêche. Pierre, hein? OK, ça fait que Marguerite dit que la... Oui. La maison du mi-temps, ça serait la store à Pierre. OK, puis Restia dans la maison aussi. Ah, ça serait la maison sur Tartaglia à Stur? Non, c'est là que c'était la même. Ah, c'est pas la même. Oui, sur Thomas Dominique à l'équipe. Oui. C'est ça, oui. Oui, la maison à Thomas Dominique, elle est en bas dessus. Dessus Joseph Arnès, là, dans le parc. Oui. 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 Puis ça serait à peu près juste que la maison que Monique est derrière là. Mais c'est plus haut que juste que Monique sent. Ah, OK. OK.
Oui, je crois que je les vois en suédo portrait, oui. C'est intéressant de voir les bottes aussi, c'est pas les bottes d'aujourd'hui. Oui, maman Isu, il a appelé ça des pic-à-pac. Hein. Oui, ouais. Okay. Là, tu vois plus de cabanes et de... Oui. Ouais. Ça serait là, là. Non. Puis là aussi, on la voit pas bien, mais ça, c'est pas juste que... je sais qu'il est resté là. Non, c'est plus loin. Et où est-ce que la maison à Camille aujourd'hui? C'est pas... Oui, c'est genre là, oui. Je crois que c'est à peu près où est-ce que genre là était. Je sais pas qui ce qu'il y avait eu là. Ah oui. Ah, OK. OK. Puis ça, c'est un portrait qui est pris sur ce bourg et sept l'étang autour de Tuburny, là. La cabane au bout. Oui. Joseph Jim, c'est comme ça, il a eu une store. Joseph Jim, il a eu une store. Non, Joseph Jim lui-même a eu une store. Okay. Mais Marie-Stella m'a tout à dit que son père avait eu une store. Il semblait que Marie-Stella m'avait dit qu'avec son père. Oui. Ah, OK. Ah, oui, OK. Puis la sture, je vois ici, là, la maison chronique est dans la sture, je la vois comparée à celui de Thomas Dominique. OK. Ça, c'est oui, les cabanes de pêche. Hein. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle quand j'ai su, puis il n'y a pas si autant que ça que je le sais que. Et je crois qu'il m'a dit que les pères de famille, ils partaient de la maison comme le dimanche au soir, puis s'en allaient dans leur cabane pour la semaine. Il était right à côté du chef. Ah, OK. Ouais. Ça fait qu'anyway, ils partaient de la maison, puis ils allaient coucher à leur cabane pour... travailler la semaine. Ça, c'est quand il faisait se chausser de la murue sur les planches. J'ai appris de quoi? J'ai regardé dans le livre du moine, puis ça dit que c'est des vignots. Les planches, ce qui les mettait à la murue dessus, les vignes. Ah. J'ai une idée. Moi, je dirais que ça se trouverait à peu près durant ce simien padé. Ah, c'est à l'entour de l'eau, mais je ne sais pas où c'est les bras. Oui, c'est juste beau, Risset, pour sûr. Hein. Okay. Risset, il n'est pas plein, mais je trouvais que c'était intéressant de voir comment ça avait été posé, juste beau, Risset, à cet angle-là, parce que tu vois plus les bâtisses qui tiennent sur le bout. Des raies.
Puis ça s'est posé dans le vieux chemin. Ça fait bien comment est-ce qu'il y avait de la terre sur le bord, la mer, que n'y a pas, c'est pas de mer à Stur. Oui, ça se continue, oui. J'appelle ça le chemin du roi. Il appelle le Old Post Road aussi, je crois. Oui, c'est Marcela Padé, orienté, je pense. Je pousse, je croirais. Oui, il y a un chemin qui monte là aussi, oui. Je crois que si je me trompe pas, ou encore une bête de la route. Qui montait là, oui. Ouais. Je crois que je vois le chemin que tu veux dire, Beto. Okay. C'est le cheval qui l'a bien mis sur employment. Ok, ça fait que ça ici, c'est pris dans de la butte. Je chante. La butte au bout, là, jusqu'on prend le chemin. On prend le chemin pour aller par-dessus. Ouais. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que les temps étaient quasiment un petit village en Étion. Oui, non, c'est toute partie, oui. C'était où pour ma petite village. Oui. L'autre côté de l'étang. Il y avait un garage, il y avait deux, il y avait un quatrième monde, il y avait trois chefs qui l'avaient fait ça. Oui, ça faisait un lot. Ça, c'est le bout de ma petite Oui. Puis en bas du chemin, c'est quand même le bout de la maison. L'autre côté du château de il y avait un grand délire, un canal de terre, cinq aussi grands. Un chemin. Ça montre que Ça. Yeah. Non, c'est good. Merci, Margaret. Ça, c'est vraiment un vieux portrait. Je crois qu'il est de 1900. Là, on est 1900. Mais, vous voyez ce qu'est le pont, hein? Le pont croisé. Le pont, oui. Parce que jusqu'à le chemin à Stur, hein, ça n'existait pas. Tu descendais de la butte. À l'entour de l'eau, oui. Oui. Non. Oui. Tu vois mieux le pont sur ce qui s'est là. Je crois que la maison, après ma dominique, c'est le chemin qui descend là-dessus. Puis l'autre côté de l'État aussi, puis le Baptiste. Puis l'autre Baptiste, oui. Le canal de fer. Oui. Puis ça, c'est encore la même affaire. Il y a un pick-up-back.
Ouais, pic à pac. Ça fait qu'à pic à pac, il y aurait eu une petite argent. Il y aurait une petite argent. Ouais. Ça fait que ça de l'air. Il y aurait eu une factrice sur ce bourg-là, vous avez dit? Sur l'autre bourg. Ça, c'est une factrice. Ça ressemble à une factrice, hein? Là, tu vois du monde sur le pont là qui croise. Il y avait une lighthouse. Il y avait une lighthouse, oui. C'est avec des portraits de plus proche que de ce que j'avais vu à Genève. Ouais. Ah, tu dis qu'il s'arrêtait sur Simia Padé? Ouais, t'as le temps. Simia Padé. Ça fait que ça, ça serait le pan sur l'autobourg. Le bout du pan, l'autobourg. Oui, oui, ça ressemblerait à une bâtisse de mer. La maison. Je m'aperçois qu'il y a à côté de la maison à l'autobourg, on sent une store. Hein? C'est quasiment souvenir à la store qu'il y avait au lac après. Hein? Ah oui. Oui. Anyway, et puis ça, c'est vieux. Là. Ça doit être plus vieux que. Ça serait vraiment un vieux portrait, ça. Mais ça devrait être ça. C'était pas avant tout autant. Ouais. Okay. Ça, c'est un beau portrait des bottes à coacher. Ouais. Je sais pas si c'est les bottes que les pêcheurs à viande. Avec ces. Oui. Mais comme les bottes à voile, là. Les bottes à voile, les pêcheurs ne viennent pas avoir ça, hein. Oui. Mais en même temps, c'est pas pour très si vieux que ça, parce que le pan est fait, là. Le pan. Oui, le pan est fait. Je suis pas vraiment sûre, mais c'est qu'il y aurait eu des voiliers à l'étang, mais. Ah oui? Oui. Ah, bah, c'est ça. Oui. Okay. Le but, c'est le Lady of Fatima, puis il y a Chagall qui me dit que ça aurait été Moïse Aleyo qui l'avait. Oui. Oui, j'ai pas trouvé de portrait. J'ai le portrait du Rio à Chitika, mais je n'ai pas le temps. Non, c'est Lady of Fatima. Ça aurait été un but de la coopérative. Moïse Aleyo qui l'avait, oui. Ouais. Ça fait que ça serait dans les 60, là. Crois-tu? Ah, je sais pas. Moi, je dirais plutôt les 50 ou 60. Okay. Okay.
des buts ici, je ne peux pas voir les noms, ça fait. Mais tu sais, c'est, moi je dirais dans les 60 probablement, parce que tu vois l'autre bord du chemin, qu'il y a du changement. Mais... Puis ça ici, ils me disent que c'est des barils Casparo qu'il a envoyé aux West Indies dans les 50. Là, tu vois bien la main à Joseph et Jim. Ah, votre maison est là, hein? Votre maison est là, Oui, votre maison est là, Lorette, oui. On la voit pas bien parce que la grange est en arrière, mais... Vous avez bâti de Chelani? 56, OK, ben c'est après ça. C'est... Oui, ça le disait dans les 5 ans qu'il a envoyé du Casparo. Hein. J'ai une question à faire. Yuski Pachel, Casparo, parce que c'est sûr, c'est fait. C'est pas fait dans les rivières, puis ça. Casparo. Casparo, c'était dans la rivière. Oui, hein. C'était pas les gars. Non, non. Fait que ça, c'est un portrait des factories à l'étang. J'ai dit la factory, hein. C'est ça ce que j'appelle bien ça. C'est quoi? Je crois pas, non. Non. Non, non. Ça doit être dans les 5 ans. Peut-être pas avant, je suis pas sûre. OK. Puis là, j'ai mis deux portraits des travailleurs de la factory. Le seul que je connais sur le portrait, c'est Thomas Dominique. Il est à ce bout-là, puis il a le bras en l'air. Ça arrête à être demi-frère, à peu près d'où ça. Tu l'as rené? Non, j'ai pas l'enné. Il ressort. Thomas Dominique, il te ressort. Oui, oui. Je vais changer. Oui. C'est encore des employés de la factory. Puis c'est sûr qu'il y avait de monde qui travaillait dans les factories de ce temps-là. Sur le portrait d'en haut, j'en connais pas. Mais en bas, il y a une fille à une Delaney, une fille à Marcela Padello, dans le mi-temps. Puis ce bourre-là de Liel, il y a ma tante Annie Rose, puis Menoc Sévran. Puis sur ce bourre-là, il y a ma tante Evelyne. Puis la femme qu'on ne voit pas la face, je ne sais pas, tu connais. Ouais. Puis les next portraits, ça sera des maisons, du paysage, puis des personnes. Puis il y en a que je connais, mais. Ça, c'est la maison qui est aujourd'hui la maison à Tammy Fizette. C'était la maison à Zéphirin Colorette. Colorette, oui. C'est la maison à Léodène, à Stur. S'arrêter. Oui, puis je lisais dans le livre du moins que Colorette, il a fini ses jours sur oui. Oui. OK. Tu as une idée? Ma jeunesse, c'était une Félix Sapiero. Oui. Non. Mais le Varendo fait pas le chemin, là. Il est sur le.
côté de la maison. Tu sais qu'il y avait la maison à côté de la gorge est attachée à la maison. Ouais. C'était un prêtre qui l'avait fait venir pour enseigner le français, je crois. Sa catéchèse. OK. Oui. Ça ressemble à une petite closette dans la classe populaire. Hein? Puis à ça, c'est la troisième qui a été bâtie. Les deux autres premières étaient en face de l'église. Puis là, il était trop petit, ça fait qu'il a bâti juste ça. Non, l'argent n'était pas aussi en plein. Ça fait oui, la caisse populaire, ça serait en 59. Ça, c'est la maison John and Joe. Mais ça, jusque l'homme a grandi, puis c'est sûr qu'elle vient à la forge. Ouais. La maison de Jean-Pierre, c'est la maison sur Hubert aujourd'hui. La maison à Hubert et Juliette aujourd'hui, parce que c'était les grands-parents à Juliette. Ouais. La première maison à Pierre-à-Pierre était sur l'autre bord du chemin. À Joie-à-Pierre, je veux dire. Oui, oui, à Joie-à-Pierre. OK. OK. Ça, c'est la maison à Dave à Joe. Puis, ouais, en arrière dessus John à Joe. Ça aurait été des frères à John à Joe puis Dave à Joe. Oui. Ouais. Ça fait que Charlie aurait grandi là. C'est la maison à Dave à Joe. Oui, j'ai vu ça aussi que c'était le couvent des sœurs qui était proche de l'église. Puis quand les sœurs s'en avaient bâti au Québec, c'est Joseph à Romuald Doucette qui l'a acheté, puis il l'a mouvé là. Ah, OK, oui. Puis ça disait que ça avait pris 80 paires de chevaux pour la mouver. Wow! Ouais. C'est... Ah! Oui, il y a eu des sœurs de la Providence. Elle était proche de l'église. C'était proche de l'église. C'était dans les Sparrowers, c'était en 1892 qu'elle a été mouvée. Fait que les sœurs ont réalité dans le moins avant 1892. Oui, ça c'est en 1892 qu'elle a été mouvée. Je vois qu'il y a une maison à côté aussi. Mais...
So, je crois que tu me réponds ça. Quand il dit que l'Égden a dit, va teacher l'école, c'est l'Égden a dit, va jouer. Oui. À l'état de l'école. Ah, oui. À l'état. Ah, oh. Tout le temps, j'étais à l'école jusqu'à. Oui. Oui. Ça fait que l'Égden a dit, va t'en frire à Charladé. C'est le frère à Charladé. Charladé. Ouais. Mais c'est ça. OK. Puis ce portrait-là, c'était pas autre opinion. Je crois que je l'ai vu sur Facebook puis je l'ai sauvé parce que je crois que c'est quand il avait fait le chemin qui assure notre chemin. Je suis pas sûre. Mais ça ressemble ça? Ça ressemble le chemin d'Astur. Tu l'as. Puis, ouais. Puis ce pan-là, c'est pas le pan d'Astur non plus, parce qu'il va de travers. Quand j'étais enfant, ce pan-là était long, puis il y avait deux autres de cette façon. Ouais. Ok. Okay. Ça, c'est Carding Mill Road. Tu descends par sur Léonard et Patty, là, le chemin. Puis là, ça va par sur Joseph Gabriel, puis jusqu'à Michel au coin, c'est-à-dire. Puis je lisais que Carding Mill Road, ça a été nommé en cause qu'il y a eu un moulin et Card dans ce bout-là. C'est ça. Puis c'était, on est par scène à Jean Doucet. C'était la Marie-Anélie. Ah oui. OK, oui. Anyway, je lisais, ça disait que c'était le seul moulin de Pleasant Bay à Northeast Margaret. Puis il opérait à l'eau jusqu'en 1920. Puis les gens de Pleasant Bay qui venaient pour se servir du moulin, ils couchaient sur la scène, puis ils s'en allaient avec le lendemain. Les affaires qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Masqueuse. Ah oui. Oui. Mais j'ai cru voir qu'il l'avait remouvé plus proche du chemin après. Après que. Ça fait que ça aurait été un autre honneur que Arsène Agen. Oui. C'est Arsène Agen qui avait le premier. Oui. Je trouve que ça le dit dans le livre, mais j'ai pas écrit la note. C'est un mot. Oui, qu'il l'a réélu après. OK. Ça, c'est une vue du pas de l'étang, puis... Mais je dirais que ça faisait pas longtemps qu'il avait été bâti, là. Ça, c'est right en bas de chez nous. C'était une glacière qu'il y avait au lac. Ou encore la faute d'ancien. Okay. Puis ça, c'est un portrait du petit lac. Puis ça aurait été posé comme à l'entour de Léonard et Patsy. Puis ça fait c'est par chez nous. C'est vrai, Esther, ici, à l'entour de Blanche. Tu crois qu'il est couné? Non. C'est une étude du moine. Stylo le plus proche de moi, c'est le père à Gérard, Moïse. C'est Moïse Roman. Hein? Oui, Moïse à Poupin. À côté de lui, je crois que c'est un chiassant, un garçon sud. Un frère à Edi Amilien, je suis pas sûre. Je crois. Puis là, il y a Pierre. C'est un garçon à Milia Chiesan, je crois. Milia? Je suis pas sûre. Hein. Le premier. Moïse à peu près, c'est le premier de bout. C'était un roman. Oui.
Puis là, deux bouts à côté de Sir Chapeau-sur, c'est Pierre Fizette, Pierre à Lévis. Puis là, c'est Hubert Appel. Petit garçon, pour ça, je suis comme à dit à la table, puis je ne l'ai pas marqué, je ne sais pas. Il y en a deux des petits garçons dans le chassé, oui. T'as pas les enfants à Pierre, t'as pas Gérard. C'est beau pour toi. C'est Tissette, il y a Joseph à Gabriel, c'est pas Tissette. Puis en face de lui, c'est Pierre Fizette, je crois. Puis l'autre au bord de lui, je crois que c'est Léa Marcelin. Je sais pas, non, je sais pas. Ils sont tous en train d'arranger de la murue, je crois. Puis Yvette, trouves-tu qu'on se ressemble Léo Marcelin qui est debout à côté, derrière, Fizette? Ouais. OK. Joseph Orgadjo Assad, Lionel Burns, puis l'autre, je le connais ça. Ouais. Si on a du Mita, c'est Lionel Burns. Jim Dan? Non, c'est Joseph Henry adjoint. Oui. Non, c'est Joseph Henry. C'est Joseph Henry adjoint. L'autre, c'est Duachis qui me ferait passer à Albert Jaffaïlen. Je sais que c'est pas lui, mais. C'est lui. Joseph Albert? Oui, moi je me connais, je m'en souviens pas de Joseph Albert. OK. Et ça, c'est papa et Pépère Leblanc. En arrière, c'est un gars qui s'appelait Médée, puis je crois qu'il était marié avec une fille à Pierre-Pierre. Maman m'a dit ça avant, mais elle l'appelait Médée. Oui, mais il restait à Lure. Mais je crois que c'était une fille à Pierre à Pierre, sa femme. Oui. C'était une sœur à Joseph à Pierre, sa femme. Oui. Oh, c'était Ilo, ma Marie-Blanche? Ah, OK. Là, c'est vous? Non, c'est Casildo puis Arthur. Puis l'autre, c'est Marie-Joséphine puis Pierre. Ah oui, hein? Ah, Pierre, oui, il y aurait plus de... Ouais. Hubert, Apit, puis ce, c'est l'âne. C'est... Yvette, connais-tu les autres? Louis Apadé puis Henriette. Oui. Pirates, les Paracles, les Fuller. Oui. Qui m'a resté là. Ça, c'est le mariage à Joseph à Gabriel puis Marie-Antoinette. Les femmes sur ce bourg-Issette, ça serait Henriette Anne à ce bourg-là, puis Catherine à Wilfred à Dorville. Puis dans l'autre portrait. Oui, Catherine, oui. Puis l'autre portrait, je crois que c'est Doris à Patresse. Trouvez pas que ça. Alors, ça me paraît Nicole, hein? Ça me paraît Nicole.
c'était dans les portraits à Juliette des Yeux, ça fait que c'est de la parenté, ça fait. OK. Puis ça, ça t'est posé en 1950, puis c'était à l'école du Ruisseau du Lac, qui est la maison à Clifford, à Louis, à Stur et Doro. Puis c'était une journée, je pense que c'était la fin de l'année au cours Manoué, les parents, puis mon grand-père, Séverin, était là. Ils avaient fait de l'ice cream, puis tu vois la machine, faire de l'ice cream. Et ils avaient été traités à l'école avec l'ice cream. Et ben, moi, je joue Catherine à Wilfred, puis à Nommé, puis je joue Orietan. Puis il y a une des plus vieilles à su, Wilfred adorait, parce qu'elle s'appelait Paudette Marianne. Marianne. Mais je ne les connais pas toutes, je ne sais pas. OK. Pour ça, du macro, ça, je ne sais pas. Je crois qu'il connaît. Pierre Lerat, oui. Ouais. Mais il a tout à ressort de ça. Alors, je vois votre main en Lorraine. Ah. C'est de la parenté. Je sais pas. Okay. Ça, il faisait les foins sur l'Ouapadé. C'est Louis de la Charrette, puis Clifford offrait Rockley. Puis la tout petite, c'est Maristella. Puis maman était souvent sa babysitter, puis c'est elle qui venait là avec la petite. Puis celui-là, dans la à Calaribush, n'est pas. Tu as une idée? OK. Moi, j'ai mis de la couleur sur ce tissu. Donc, souvenez-vous de Calice Saïd. Non. Sorry, je regarde ma main. C'est Le Cassiment. Oui. C'est Le Cassiment, il y a la maison à Patsy et Léonard. Ça, c'est Le Cassiment, là, au fait. C'est-tu le père à Charlotte? C'est le grand-père à Charlotte. Non. En bas, c'est Jean-Moïse, puis Doro, puis Béatrice. Puis à côté, c'est Jeffora Jacinthe, puis Marie-Cécile, puis Béatrice à Calice. Les trolls? Jeffora Jacinthe, puis il s'avait marié la deuxième fois avec Marie-Cécile, puis Béatrice à Calice. Ah. Il était marié premièrement avec Peggy, hein? Ça, c'est Marie-Cécile. Marie-Cécile. Oui. Béatrice à Calice. Oui. Non? Ouais. Calice à lui. Ouais. En haut, là, tout seul, c'est Le Cassiment. Béatrice, oui. Oui, bien sûr, à Isidore. Hein. Le petit gars avec la vache, c'est Clifford à Louis. Le portrait en bas dans le doré, whatever. Sio du mi-temps, il m'avait dit que c'était Joseph à Pierre. Puis ça restait son beau-frère Médée. C'est Médée qui a ce bout-là avec lui. Puis en haut, c'est mon grand-grand-père Baptiste. Non, c'est vrai. C'est vrai, puis. C'est vrai, oui.
porcelaine. Oui. Puis l'homme qui est avec lui, ben, je ne sais pas, il ressemble. Il ressemble, il y a de ses garçons, il ressemble à nos Moïse, mais je ne suis pas sûre. La vache que ça mange, non. Alors, tu fais dans la bouche, il tient un morceau du portrait qui est parti. Un morceau du portrait qui est parti. Ça, c'est un. Voilà. Ça, c'est Pierre à Pierre. Ouais. Pierre à Pierre, puis sa deuxième femme. Sa deuxième femme? Oui. Ah, Marc, c'est ouais. Pierre à Pierre qui avait la store. C'est Pierre, Joseph à Pierre. Charidène, on nous conte une histoire. C'est pas, c'est malaise à dire, le mot ne ressemblait pas. Tu vois ce qu'il aurait pas eu? Ah, pas né, elle dit qu'il s'est marié la deuxième fois. Il y a 88 à ça. Passer à Napoléon. Ça, c'est au lac sur David Adjo. Puis il était en train de finir le bord d'un tapis. Oui, ça peut faire le bord. Hein. Puis David puis sa femme, ça se boutissait là. Puis là, après ça, il y a, c'était marqué Wilfred ou Pearl. C'est pas le même tapis. Ça se trouvait au lac en arrière. C'est une maison qui a été halée après. C'était sur le chemin et se procurait. Oui, on en a par en arrière. Leur maison a été halée, je ne sais pas ce que c'est la maison. Ah oui, ça serait-y avant. Ah, je sais pas. Mais oui, il y a que je pourrais m'émouiller, c'est David à Léo. Ah, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait sur le portrait, puis que c'était sur... David à Léo. Oui, je sais, c'est vraiment un grand tapis. Oui, je sais. Hein. Ouais. Je sais pas. Ben, c'est pas si vieux que 36, parce que au bout, c'est ma tante Evelyne. Puis en 36, ma tante Evelyne, elle devait pas y avoir plus que. Ah, ben c'est ça, oui. Ça pourrait se faire, ça serait ces années-là. Parce que ma tante Evelyne, en 36, elle aurait été bâillée une. Oui, mais tu n'as pas le tapis. Non. Oui, elle a le tapis. Oui.
Get your fancy. Ah? Vraiment, j'ai jamais entendu parler que Miss Burke avait fait faire des tapis aux moines, mais. Je suis David à Joe, qui me peut la David. Et c'est le. Je suis David à Joe, c'était au lac, mais en arrière, là, il est tiré comme. Oui. La jeune femme, c'est Juliette Hubert. Non, pas Juliette, c'est sa mère. C'est Marie-Luce puis sa mère. Marie-Luce puis Luce, sa mère. Qui offre de laver, je crois. Oui, ben c'est le même genre de la parenté, oui. Ouais. Oui, elle, c'est une fille à Jean-Pierre. Non, Marie-Luce, c'est une fille à Jean-Pierre, pareil que moi. Marie-Luce, c'est la fille à Jean-Pierre. Pas Marie-Luce. Luce, c'est la femme à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Non, c'est pas Marie-Luce. C'est son nom qui est garçon. Luce. Oui. Luce, c'est pas la mère à Marie-Luce. Marie-Luce, c'est une sœur à Freddy Amelia, les deux. Oui. Ça fait son nom, Joseph Adjo. Je sais pas, je crois qu'il m'avait dit que c'était Chica d'ailleurs qui était venue. Ça fait oui, yes, c'est la femme à Jean-Pierre. C'est la femme à Jean-Pierre qui se trouverait notre grand-grand-mère. Okay. Mémé Rosanne, c'était une fille à Jean-Pierre. OK. Puis ça, c'est Jean-Pierre. Il avait pris un flatant. Oui, un flatant. Il avait pris un flétant. C'est un flétan. Puis je connais pas les deux plus proches de la bâtisse, mais après ça, il y a eu Hubert Appitt. Puis l'autre, Margaret, c'est-tu ta parenté, non? Arnès à Édouard, ou c'est-tu, ça peut-tu faire, ça serait Édouard? Je crois que c'est au pire, mais je suis pas sûre. Ouais. Oui, puis il serait déjà plus vieux là, qu'Hubert. Oui. Au pire était court, oui. Je crois que c'est lui, ouais. Je l'ai vu sur d'autres portraits. Non. Ah oui. Ça va que c'est Édouard. Hein? Oui. Ouais. OK. Ça, c'est la famille à Simia Eli. Puis c'était un mariage. Puis je suis pas sûre si c'était pas un double. Ouais. Parce que celui du mitage, je crois que c'est Rebecca. Puis l'autre, c'est Catherine Laurette, hein? Catherine Laurette qui a marié avec Georgie. Oui, hein? Oui, ça. Elle est en mariée. 7, c'est beau, 7. Oui.
mariée. Oui, bah. Ouais. C'est une grande famille. OK. Vous connaissez toutes de Madame Isset. Mariana Sem. Mariana Sem, oui. Giorgio. Mara Marta. Alors, Joseph Henri, peux-tu me dire si les tchols de Chevouxé? Georgie, hein, c'est Bruxelles? Puis Joseph Henri? Okay. Puis c'est Yvette Mire? Oui. C'est Georgie puis Joseph Henri Amédric avec le Mire. Bonjour. Brigitte, sorry. Comment est-ce que je dis ça? Il l'appelle à Brigitte? Oui. Okay. Connaissez-vous? Oui, c'est Sophie Arsène. Sophie Arsène Amidien. Amira Tellement, tu sais? Oui. Connais-tu leur enfant, non? Tu crois que c'est Joseph? Oui. Ah, cute. Il y a tellement de personnes pareilles. Hey. Okay. Les deux en avant, c'est Joseph à Jim, puis Marguerite. C'est eux qui avaient la store à l'étang, Joseph à Jim. Puis Lucie Doro, elle était mariée avec leur garçon Clovis. Puis l'autre, c'est une Delaney, c'est une fille à Marcel Apadé, je ne suis pas sûre là-dessus. Marilène? Marilène, oui. Oui, ça fait que Jim puis Marguerite, c'était les parents adoptifs à Clovis puis à Maristella. Puis Joseph, parce que c'était un frère à ma grand-mère Zoé. Oui, Louis a pas dit qu'on ferait tirer une vache. Puis l'autre, c'est ma tante Annie Rose, puis Demité la Lomé. Je crois que c'est Louis a pas dit. Puis parce que sur Lomé, je crois qu'il avait resté dans la maison jusqu'à Bernie à Peter, si je ne me trompe pas. À Chick-Tan. Je sens que ma maman m'a dit ça avant. Anyway, c'est posé dans la yard à sur Bernie à Peter. C'est ce qui fait que. Je suis pas mal sûre, j'ai demandé à maman, ma soeur, qu'il a réalité là, puis elle m'a dit que Lomé avait resté là les premiers rendez-vous que tu as marié. Pardon? Ma tante Annie Rose. La femme à Lomé, c'est une Morissette, là? Alors, toi, Lomé, elle va rester à côté du Sunouet, oui. Oh, oui, ok, oui. Mazar qui a brûlé. Oui. Ok. Mais c'est tout ça. Hein? Il doit nous avoir baptisés, je crois, arrête. Père Marinelli, oui. Oui, les. L'église avait changé, elle, là, avec les années. C'est pour ça que ça ressemblait les derniers temps. Je sais pas que ma donné qu'il a arrêté au moins par Marinelli. Oui, hein? Il y a-t-il autant, hein? Hein? Oui, ça serait marqué dans le livre du moyen. OK. Bon, ce fois-ci, c'est un loup marin. Mais c'est encore. Non, c'est ses garçons.
Il y avait nos Peter Adjo. Puis le mi-temps, Sio Kalumara, c'est fidèle à Charles. Puis Patrice Adjo. Puis c'était ça, leur premier, la première maison sur Joie Pierre. Puis l'impression qu'il avait mauvais de solo l'autre bord du chemin, qui est la maison sur Hubert. Elle est en bas du chemin. Hein? Hein? Elle est en, le bord de en bas. Hein? Anyway, il avait été à la chasse au Lumara. Ça dit dans le livre que c'était tard au printemps, mais quand il y avait encore des glaces. Puis ils usaient la peau pour des tapis, puis de l'huile pour l'éclairage. Alors ça, c'est la maison, tu fais de la butte, hein, sur Édouard à Pierre, oui. Puis, oui, c'est un beau portrait. Puis il y avait un chien. Il était en dimanche. Dans ce temps-là, il ne prenait pas des portraits souvent, ça fait comme qu'il y avait un caméra à l'entour ici. Oui, c'est ça. Oui. 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 Parce que ça, je dirais que c'est dans les taux 1900. Hein. Ça doit être dans les 1900 en taux. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, c'est un vieux portrait. Oui. Quand on aurait dû demander des questions. Des questions, oui, ils n'ont pas demandé, oui. On est toutes de même, on demande des questions. Oui, quand on voudrait des réponses, il y en a qui sont partis. Puis c'est ça pour la show de portrait. Ah, il reste ici. Hein? J'ai plus de neuf. Ça, c'est le 3 Médric. Puis j'ai fini avec une couple de belles portraits d'Astur, de l'État. Oh, le windmill, oui, à pour l'or, oui. Oui. C'est ça, merci beaucoup.